Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux passionnés, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo intitulé Testez-vous aux échecs. Le principe est simple, je vous montre une position et vous devez trouver le bon coup ou le bon plan, puis je montre la réponse et on termine par un que retenir. Il s'agira principalement de stratégie car c'est un domaine nettement plus difficile à travailler que la tactique. Je poste une vidéo le lundi et une le samedi. Merci pour vos retours concernant les précédentes vidéos. Votre avis sur ce format m'intéresse et donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire à ce sujet. Allons-y sans plus tarder. Donc voici la position et je vais vous mettre tout de suite la question correspondante. Là voilà, elle est très simple, c'est que jouer avec les blancs. Alors, il me faut un coup, mais il me faut aussi le plan associé à ce coup. Je vous invite à mettre la pause. On espère que vous avez trouvé un bon plan avec les blancs. Peut-être que vous êtes inspiré de ce pion isolé qui est déjà attaqué à deux reprises par le cavalier et par la tour, tandis qu'il est défendu aussi à deux reprises par les pièces noires. Il faudrait chercher comment l'attaquer une troisième fois. On a une pièce qui ne demande que ça ici, c'est notre fou. Alors il est plutôt correctement placé, mais il n'attaque pas grand-chose. Et donc il va imaginer le plan fou C2, fou B3 pour venir attaquer ce pion isolé une troisième fois. Donc ça, c'était le bon plan, c'est celui qu'on va regarder. A noter que si la case B3, pour une raison ou pour une autre, dans une autre partie, n'avait pas été accessible, on aurait pu penser à A3, fou B1, fou A2. Remarquons que les blancs gênent bien le fou de l'adversaire avec tous ces pions qui sont placés sur la couleur noire, ce qui fait que le fou en face a du mal à trouver quoi que ce soit à se mettre sous la dent. Au sujet de sur quelle couleur mettre ses pions, je vous renvoie au conseil de la semaine correspondant. Je vous le mets là-haut. Donc on y va. Fou en C2, les noirs qui préparent leur défense avec tour D6, fou B3, tour D8. Donc les blancs attaquent trois fois le pion et les noirs le défendent trois fois. Pour l'instant, ça tient. Je vais avoir trois autres questions pour vous dans la suite de cet exemple, la suite du plan des blancs. Et voici la première. Que faire avec les blancs? Je vous invite à mettre la pause. Si vous avez imaginé le plan tour E5 pour doubler les tours en cinquième rangée et attaquer une quatrième fois le pion en D5, ça part d'un bon sentiment, mais vous vous êtes complètement relâché, vous n'avez pas vérifié si votre adversaire pouvait vous causer des problèmes. Et en l'occurrence, on a un roi en F3 qui peut se prendre un échec par la tour, ce qui va réveiller l'attaque du fou sur la pauvre tour en E5 et on va la perdre après tour échec. Malheureusement, on ne peut pas sauver cette tour et on perd la partie. Donc voilà comment perdre une partie en se concentrant uniquement sur son propre plan. C'est une erreur fréquente aux échecs. Et il faut bien regarder ce que peut faire l'adversaire. Donc les blancs ont plutôt joué roi en G2 pour éviter l'échec. Les noirs ont fait pion en B6. Et voici une nouvelle question pour vous. Vous avez les blancs. Trouvez un plan. Qu'est-ce que vous faites? J'espère que vous avez pesé les pour et les contre de cette question et de cette position. Et que vous avez découvert le plan tour 1 en H4 pour activer la pièce qui ne participe pas pour l'instant, les trois autres pièces des blancs qui attaquent le pion D5, mais celle-ci ne fait quasiment rien, et donc on essaie de faire participer toutes ces pièces aux échecs. Donc si vous avez refait tour E5, ben vous n'êtes pas verni, parce que certes vous ne prenez plus l'échec, mais il va juste reculer sa tour pour défendre son cavalier, et par la même occasion, il va attaquer la tour, et la tour qui va devoir rentrer piteusement au bercail, et c'est complètement raté. Donc à la place de ça, on aurait pu penser à cavalier F5 pour échanger le cavalier. Malheureusement, après prise prise, il va juste faire pion F6. Et si jamais on insiste en doublant les tours pour attaquer une troisième fois le pion, on peut croire qu'on gagne le pion. Malheureusement, là encore, on ne s'est pas concentré sur le jeu de l'adversaire. Et on pourrait se prendre G6 qui fait une terrible fourchette entre nos deux tours. On perd une tour. Voilà une autre façon de perdre la partie sans regarder les menaces de l'adversaire. Si on fait G4 avec les DG5, il y a un peu d'idées, mais s'il fait F6, il va quand même nous embêter et on va pas aller très très loin. Peut-être même qu'on va lui permettre de réveiller son fou à un moment et peut-être que dans une finale, le fou pourra passer derrière. Donc tour 1 en H4, bien joué. Il y a deux idées, il y a tour G4 pour aller cibler le pion G7 et il y a tour F4 également pour aller cibler le pion sur E5.
F7. Donc on va chercher des nouvelles cibles car c'est trop dur d'attaquer une quatrième fois le pion en D5. Voyons quelques réponses possibles de l'adversaire. Admettons qu'il joue G5 pour perturber la tour qui doit reculer, surtout pas se mettre sur G4 sous peine de se faire coincer par le pion et on perd la tour, hein, donc c'est terrible. Donc on recule sur H1. On attaque le pion en H6 deux fois, il le protège une fois, mais on l'attaque deux fois. Donc si jamais il fait tour H8 pour protéger, ben, on va juste prendre et profiter du clouage, donc on gagne un pion. Et s'il défend avec son cavalier, eh bien le cavalier blanc, cette fois, va pouvoir venir faire une double attaque et gagner un pion là encore. Donc après tour 1 H4, il est en difficulté. S'il essaie cavalier attaque tour, on fait tour G4 cette fois. Et il se trouve qu'il a un problème parce qu'on attaque trois fois ce pion. Et c'est le cavalier qui est censé venir le défendre une troisième fois, mais dans ce cas-là, c'est le pion G7 qui serait perdu. Donc il perd un pion de nouveau. Donc après tour 1 H4, il est embêté et il fait roi B8. Dernière question pour vous. Vous avez les blancs. Est-ce que vous préférez tour G4 ou bien tour F4? Vous pouvez mettre la pause pour choisir. J'espère que vous avez choisi le bon coup tour F4 et non pas tour G4. On avait déjà vu une situation qui ressemblait énormément. Je vous avais prévenu qu'on pouvait se faire coincer la tour sur G4 par pion G5. Situation vraiment terrible pour la tour qui se retrouve dans un endroit beaucoup trop près et beaucoup trop étroit pour elle, pardon. Et pour cette thématique des tours à l'étroit, je vous renvoie au conseil de la semaine correspondant et je vous le mets là-haut si vous voulez creuser cette question. Donc on pourra encore faire fou C2 pour éviter de se la faire coincer, pour éviter de se la faire prendre plutôt, mais il n'empêche qu'elle est coincée. Donc c'était tour F4 qui attaque le pion en F7. Alors, le pion en F7 qui est difficile à défendre pour les noirs. Si jamais c'est la tour qui s'en occupe, eh bien le pion D5 serait perdu puisque cette tour est occupée à le défendre une troisième fois. Donc il resterait pion une case ou pion deux cases. Bon, pion deux cases, on va le dévorer ce pion. S'il nous prend, on va prendre. Alors évidemment pas avec cette tour pour se reprendre la fourchette, hein, comme tout à l'heure, mais avec l'autre tour, on a gagné un pion dans une très bonne position. Donc il ferait pion F6. Et maintenant, on va faire tour G4 pour attaquer le pion en G7 et on a réussi à disloquer la défense. On a attaqué à la fois sur le pion D5, fortement, trois fois, on l'oblige à défendre, et on attaque à un autre endroit et ça désarticule sa défense. C'est ce qu'on appelle le principe des deux faiblesses. Aux échecs, l'adversaire peut souvent tenir une faiblesse, mais à partir de deux, ça commence à devenir plus difficile pour lui et là, il ne peut pas tout tenir. Donc s'il fait tour en G8, on va juste prendre le pion D5 qui n'est plus protégé trois fois. Et s'il fait pion G5, eh bien notez que la tour ne protège plus le pion ici, donc on va juste le prendre. Certes, notre tour est encore un peu coincée temporairement, mais cette fois, on va pouvoir faire pion F4 et certainement la sortir petit à petit. Voilà, c'est la différence, parce qu'il n'y a plus le pion H6, donc elle va pouvoir sortir plus facilement avec un net avantage ici pour les blancs. Donc si on reprend cet exemple du départ, il y avait la super manœuvre fou C2, fou B3 pour aller attaquer le pion D5 pour placer l'adversaire sur la défensive. Et puis ensuite, l'autre moment important, c'était qu'on a fait tour 1 H4 avec l'idée de créer des nouvelles faiblesses, enfin d'attaquer des nouvelles faiblesses. Et c'est comme ça qu'on a réussi à gagner un pion au final. Je vais remettre cette flèche et puis il est temps pour nous de passer à retenir. Alors, 4 points à retenir pour cet exemple. Le premier, c'est d'identifier une cible. Plusieurs, c'est encore mieux, mais déjà une, c'est bien. Ensuite, quand c'est fait, vous pouvez chercher comment vous pouvez attaquer cette cible avec vos pièces, comment procéder. Si vous arrivez à créer une deuxième faiblesse ou une troisième, une quatrième, bon là c'est la fête, eh bien c'est ce qui va vous permettre probablement de mettre votre adversaire en déroute. Et donc c'est ce qu'on appelle le fameux principe des deux faiblesses aux échecs. Et pour finir, surveillez toujours le contre-jeu adverse. Vous avez vu que si on se concentre uniquement sur notre propre plan, notre propre jeu, eh bien on peut subir une sévère déconvenue. Voilà pour le à retenir. On va remettre la position. Donc cet exemple que l'on doit à la chaîne Chess Mood. Je vais remettre l'en-tête. Dernière remarque sur cet exemple, le fou C7 a fait un excellent spectateur, on en profite pour le saluer. La conclusion de cette vidéo, donc ce troisième épisode de Testez-vous
est terminée. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à me laisser un commentaire. Je vous remercie de votre attention, portez-vous bien et je vous dis à lundi pour le prochain épisode de Testez-vous.